Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo FAQ comme promis pour l'anniversaire de ma chaîne. Alors dans un premier temps dans cette vidéo j'ai commencé par me présenter puisque depuis le début de la chaîne je ne me suis jamais vraiment présenté. Vous ne savez pas vraiment qui je suis. Vous savez juste que je suis un survivaliste autonome, citoyen, prévoyant. Donc pour le début, je m'appelle Greg. Ou Yagmar. Yagmar, c'est mon prénom viking de mon ancienne constitution viking. J'ai gardé mon nom et puis ça me plaît, et puis je préfère, ça me va mieux à mon nom. Je suis dans la région, je suis dans la région de l'Alsace. Je suis sur aux alentours de Strasbourg. J'ai 30 ans et je suis cariste dans une boîte de carton. Et je suis un fervent passionné de musique. Donc j'ai sorti un album, des albums. J'ai sorti 6 albums solo. Donc, je vous mettrai ça dans le lien de la description. On laisse la caméra les vidéos de ce que je fais et le but de la chaîne. Le but de la chaîne est de donner un maximum d'informations et de choses aux gens pour pouvoir survivre en cas d'effondrement économique ou diverses choses. Donc, je vous avais demandé de me poser des questions la vidéo où je parlais de l'anniversaire de la chaîne. Donc, c'est ce que vous avez fait, je vous en remercie, c'est vraiment super. Au début, j'ai eu peur de ne pas avoir beaucoup de commentaires, et au final, avec ce que j'ai comme question, on va pouvoir faire une vidéo qui soit un peu longue. Pas trop longue, oui, je vais essayer d'être limité quand même, parce que sinon, ça va être super long. Donc, je suis maintenant. Un certain niveau de ma vie où j'ai vraiment envie de vivre en autonomie, vraiment. C'est pas juste une lubie, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Vraiment, c'est je suis en train de chercher de faire un projet pour l'avenir. Après, on verra ce que ça va donner. Donc maintenant je vais commencer par les questions qu'on m'a posées. Alors il y en a une qui me demandait, on me demandait mon âge et le métier. Bon ça j'ai répondu dans la présentation. Donc voilà. Alors vous m'avez posé les questions. Alors je les ai notées, mais je ne les ai pas notées dans l'ordre. Et pourtant vous m'avez posé les questions qui sont quand même. Assez chronologique dans le sens. Bon, moi, j'ai pas su. Voilà. Bon, bah, je vais essayer de trouver les réponses, enfin les questions d'abord. Dans quelle région tu es? Alors, oui, dans quelle région? Ça, j'ai aussi répondu dans la description. Mais en premier lieu, je vais répondre à cette question. Dans quelle région tu es? Bon, ça j'ai déjà répondu. J'ai choisi l'emplacement de logement en fonction par rapport au survivalisme. Alors, non, parce qu'à l'époque, quand j'ai trouvé mon appartement, le logement où je suis ici, je n'étais déjà pas dans le mouvement du survivalisme, j'étais pas du tout dedans. Là, ça fait 6 ans, 7 ans que je suis ici. Ouais, ça va faire 7 ans en fait. Non. Enfin, bref, on s'en fout. C'est pas la question. Mais quand j'ai emménagé ici, je n'étais pas du tout dans le concept survivre autonomie. J'ai eu très peu de temps pour trouver l'appartement, qui même en ayant une idée de vouloir être en autonomie ou ça, j'aurais pas eu le temps. Et en plus, je voulais trouver du travail, ce qui m'a permis de. C'était vraiment une période où c'était pas évident. C'était vraiment la période où on essaie de.
de trouver son chemin tout seul et puis essayer de faire les choses au mieux pour être plus fort. Donc voilà, mais sur le coup, non, c'était même pas prévu, je pensais pas non plus adhérer à ce truc-là, parce que c'est vrai que je pensais pas, quand je regardais les émissions de Bear Grylls, ça avait un peu, je trouvais ça, bon, voilà, intéressant, mais sans plus. Quoi. Bon, aujourd'hui, j'ai totalement changé d'avis, comme quoi on peut avoir une autre façon de penser. Bon, on va suivre avec cette question. Depuis combien de temps je suis survivaliste et mélitrique, en fait? Alors, depuis combien de temps je suis dans le survivalisme? Ça va faire 3 ans en tout. Et en parlant aussi d'avoir l'éveil de la conscience. Hein. Je fais ensemble. Puis à ce moment-là, on prend conscience de la chose. On est, enfin à mon sens, on est un peu survivaliste, mais enfin, ça c'est un libre, chacun ça aider. Moi, ça fait à peu près 3 ans que je suis dans le délire, 2 ans où vraiment j'ai adhéré, et ça fait à peu près 1 an où je suis, un peu plus d'un an, où j'essaie de changer ma manière de vivre, que ça soit une certaine autonomie en nourriture, et en eau, bon ça. Une autonomie en faisant des réserves, je n'arrive pas à être autonome, bien que ces réserves, ils vont être utilisées plus tard, mais enfin, c'est assez difficile à comment expliquer ça. Bon, bref, en tout cas, j'essaie de faire un changement dans ma vie pour essayer de mener à, pour avoir un meilleur futur pour demain. C'est-à-dire que j'essaie de mettre en place, mais j'essaie de sortir de ma zone de confort au maximum. J'essaie de faire des trucs qui sont pas. Il y a des gens qui verraient ce que je fais, mais c'est bizarre, je viens d'une autre planète. Non, c'est juste que je veux sortir de la vie, du système, du confort qu'on a tous les jours. Je veux vraiment sortir de ça et je suis en train de faire des choses qui sont. Voilà, ils peuvent être un peu extraterrestres, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux pour se préparer au pire, en fait. Sortir de sa zone de confort, je pense que c'est le mieux. Quoi. Et avoir le déclic, c'est. Je pense que j'ai toujours eu cette façon de voir les choses, mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, il s'est passé quelque chose. Et je regardais une chaîne YouTube qui m'a. Alors. C'est un musicien, c'est un Norvégien qui habite aujourd'hui en France, qui est, alors, on peut être d'accord ou pas avec ses idées, mais quoi qu'il en soit, c'est un gars qui aujourd'hui vit en France avec sa femme française, avec ses six enfants. Ils sont pas scolarisés, mais ils font l'école à la maison. Ils ont une façon de vivre. Sa femme met parfois des vidéos sur YouTube où ils présentent leur façon de vivre. Ils vivent en autonomie, en permaculture. Les gamins, ils sont heureux comme pas possible. Ils ont pas de téléphone, ils ont pas les, enfin, ils ont un ordinateur pour certains cours de maths ou de machin. Mais en tout cas, ils ont une façon de vivre qui est à l'opposé extrême de nous. Et eux, ils sont heureux, mais c'est. Ils s'amusent avec rien, ils s'amusent avec pas grand-chose. Et je regarde souvent cette chaîne, enfin ces deux chaînes, parce que lui il en a une chaîne et sa femme a une autre chaîne. Et en fait, il y a une autre façon de vivre, et c'est vraiment super, c'est vraiment super. Et oui, il a commencé, bon, c'est un musicien, bon, je suis très fan de sa musique, on ne peut pas être d'accord avec sa façon de voir les choses. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans plein de choses, en fait, musicalement aussi, en fait. Mais dans sa vie, voilà, il y a tout un tas de choses qui font, quand je regarde ses vidéos, en fait, ça me donne. Ça me correspond, voilà. Et le déclic a commencé par là. Et quand j'ai voulu avoir un petit peu d'âge pour pouvoir faire un bricolage, faire un recopage, et être un peu dans la nature, j'ai la vie a mis sur mon chemin la semi-bad.
Alors, on appelle ça le semi-ban parce que voilà, c'est faisable de vivre là-bas, mais c'est pas. C'est de moins, c'est de moins pas autonome à fond. Mais en tout cas, on peut y vivre là-bas quand même. Pas légalement, on ne peut pas avoir, on peut pas installer une boîte nouvelle, mais en gros, voilà, c'est vivable. Et donc, ma vie m'a mis ça sur le chemin, et du coup, pour moi, il y a des choses qui s'emboîtent dans ma façon de voir les choses, de voir ces choses-là, parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment envie de vivre comme ça. Vous allez voir dans les prochaines vidéos certaines choses que j'ai faites chez moi à la maison. Vous allez voir, même en appartement, il est possible de faire certaines choses. Mais après, faut adapter par rapport à la situation, par rapport à voilà. Moi, je sais que il y a certaines choses qui ne me dérangent absolument pas. Je veux dire, un confort peut vite être coupé en deux et on vit avec un moitié de ce confort-là. Vous allez comprendre dans les prochaines vidéos ce que j'essaie de faire. Et se couper du confort, c'est ce qu'il y a le mieux à faire. La préparation mentale, c'est une chose, mais après, il faut adapter le corps à, par exemple, dormir sur des surfaces qui ne sont pas faites pour dormir. Mais ça m'est déjà arrivé de dormir par terre, toute une nuit. Et faites-le une fois, vous allez voir. C'est pas mal. Après, mais quand de dormir dans un lit. Bon, le Bécri, il a commencé simplement par une chaîne YouTube et où tout simplement l'idée que j'avais de ma vie, de mes désirs d'avenir, ben, en fait, le gars, il a juste accentué le fait qu'effectivement, c'est ça que je veux pour ma vie. Je pense que chacun de nous, il y a des choses qui sommeillent. Et un jour, on a juste appuyé sur un petit bouton et là, on se rend compte ah ben effectivement, oui, j'ai toujours été là-dedans sans savoir. Pareil avec d'autres, j'ai toujours adoré l'astronomie. J'avais 8-9 ans, j'ai toujours aimé regarder les ciels, tout ça. Et un jour, en 2004, je m'en souviens de la date, en août 2004, tiens, je vais acheter un télescope et là, j'avais la tête dans les étoiles la journée, même la nuit. Bon, il y a des choses qui sommeillent en nous, et un jour on voit quelque chose, on entend quelque chose, et là c'est ching. Donc voilà, ça fait à peu près 3 ans que je suis dans le survivalisme et le ensuite, alors, dans mon entourage, il y a des gens qui me suivent dans ma démarche. Alors, oui, on est trois ou on est quelques-uns quand même à adhérer à ces choses-là. Mais on n'est pas beaucoup. Moi, souvent, j'essaie de parler aux gens pour essayer de. Pas de les convaincre, parce que c'est toujours pareil. Hein, je suis pas témoin de Jéhovah, j'essaie pas de convertir quoi qui que ce soit au survivalisme ou à être humain. J'explique juste certaines choses qui peuvent. Se faire rencontrer aux gens, il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin, on pourrait vivre beaucoup mieux sans certaines choses. Mais dans mon entourage, on est 4, 4, 5, on va dire, globalement, on est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Et c'est dommage, c'est dommage. On est 1, 2, 3, 4, 5, ouais, on est 5, à peu près, je pense, à peu près à. On n'est pas beaucoup et c'est dommage, mais bon, après, voilà, chacun a sa façon de voir les choses. Alors, pour ou contre, les armes à feu pour la chasse ou pour la défense personnelle. Alors, pour la défense personnelle, bien sûr, sauf que bah, en France, c'est un peu short à avoir le permis, c'est très chiant. Même on a les permis légalement et qu'on est responsable d'avoir les armes et les permis, même en la voie va vous faire chier. Je prends l'exemple du Norvégien que je parlais tout à l'heure.
avec sa femme, ils ont arrêté en 2013 parce que le gouvernement pensait qu'ils allaient faire des attentats terroristes. Alors qu'ils avaient les chats, les armes à feu pour la chasse, avec un permis de chasse. Et la loi les a quand même arrêtés. Ils ont mis, lui, il a eu 3 jours de garde à vue. Alors il n'y avait aucunement, aucune, rien du tout. Et ensuite, ils lui ont aussi confisqué, ils étaient classés vikings, il est norvégien, le gars, c'est un. Enfin voilà, ouais, je veux dire, il a une culture. Ils lui ont confisqué les répliques airsoft, même la loi française, la mère pour avoir les armes à feu, même légalement, c'est n'importe quoi. En Suisse, le 19 mai, il y a un nouveau référendum pour justement sur la question des armes à domicile, enfin pour avoir des armes. Ils veulent complexifier le fait d'avoir facilement des armes, en fait. Donc, mais bon, ça veut débat, quoi. Mais en gros, bah, pour la défense personnelle, bien sûr. Alors, ça, c'est une réplique airsoft, hein, c'est pas un vrai. Je veux dire. Voilà, juste pour que vous soyez au courant, c'est du airsoft. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'armes. De toute façon, faut. Voilà. Après, les armes, prendre une hache. Bon, s'il y en a un fusil à pompe en face, ça risque d'être quand même assez difficile. Mais tout, vous pouvez prendre une arme, prendre une fourchette, bien tracer l'oreille, ou un pic à glace dans le crâne, ça marche aussi. Hein. Bon, mais je suis pour la défense personnelle. Par contre, il y a une autre chose, bon, pour la chasse, oui, mais en cas de survie ou en cas de nécessité alimentaire. Je suis pas vegan, mais par contre, il y a un truc qui me rend fou, c'est la manière dont sont les animaux, l'élevage, bon, les poulets, les vaches, tout ça. C'est une horreur, c'est une aberration. De l'être humain, c'est vraiment une aberration. C'est pour ça que je suis pas vegan, parce que je mange la viande. Je mange la viande parce qu'elle a souffert. Je le fais honneur, c'est un espèce de rituel que je garde, parce que la bête, si elle n'est pas tuée, enfin si elle est tuée mais pas mangée, ou gaspillée, ou jetée, la bête elle est morte pour rien. Donc, je suis pour la chasse en cas de survie. En cas de nécessité alimentaire, mais j'y vais juste pour plaisir, non. Ça je refuse. De voir les gens, ils tabassent des chiens ou des chats. Moi, le jour où il y en a un que je vois en ville, même si je connais pas la bestiole, je le tabasse, les gars. Je le tue. Je suis con, mais en aucun cas, je vais me dire vegan parce que moi, c'est mon point de vue, c'est le fait de. D'avoir la viande. Alors, faut-il manger beaucoup de viande ou pas, c'est pas mes mains. J'aime manger la viande. Mais en tout cas, je fais honneur à la bestiole. Même s'il y a des choses qui sont pas bonnes, qui allaient mal. Mais on engraine certaines merdes, comme les poulets, ils mangent la merde. On mange la merde, enfin bref, il y a un débat dessus. Mais tuer simplement pour s'amuser, là, je suis comme. Je préfère tuer un humain qu'un animal. Je serais plus. Bon, pour ça, voilà, c'est. Je suis peut-être un peu sec sur ça, mais c'est quelque chose qui. Voilà, l'être humain n'a pas besoin de manger autant de viande. Ça aussi, je. Même moi, je suis un mangeur de viande. On n'a pas besoin d'autant. Vous allez faire vos courses, vous voyez tous les rayons de viande. Ils sont astronomiquement géants, ces machins. C'est une horreur. C'est une horreur. Pourtant, j'aime la viande. Mais par contre, on aurait baissé que 50% l'élevage, on aurait baissé 50% de production de viande, on serait pas moins mort. Enfin, je pense qu'on aurait pour les animaux, ça serait mieux, quoi. Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir survivaliste? Bon, ça, c'est un petit peu une question qui m'a. Mais on va quand même la mettre parce que c'est quand même un peu. Ce qui m'a poussé à devenir survivaliste,
ou autonome, on va dire, on va rajouter autonome, c'est le fait de voir certaines personnes qui. Enfin, c'est surtout en fait la manière dont le monde y évolue en fait. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin, comme je le dis souvent. Mais d'autant plus, ça nous tue, plus on a confort, plus on a confort, plus on meurt. On sait plus faire grand-chose au final. Et le fait de parfois s'ennuyer à la maison, ça m'arrive. Alors des fois, en ce moment, je bricole beaucoup. Les petites choses, les petits trucs qui peuvent me servir en cas de pour les prochains épisodes. Mais qu'est-ce qui m'a poussé cette vision du monde que j'ai depuis très longtemps. Des gens qui achètent des t-shirts à 60 euros ou des vestes à 1500 euros ou des trucs comme ça, je trouve ça. Enfin, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais je trouve ça complètement débile. Qu'est-ce qui m'a poussé au survivaliste? C'est un peu. Je sais pas, c'est venu un peu, je dirais, avec certaines choses, mais aussi je pense que j'aime un peu les choses en fait. Vivre avec le minimum de choses. Après, c'est une question de point de vue, hein, c'est comme tout, hein, c'est quelque chose qui peut être tout simplement. Voilà, par rapport au chemin qu'on passe dans la vie, par rapport aux souffrances qu'on a eues, peut-être des fois, il y a certaines choses qu'on ne veut plus avoir à faire et du coup, on se met en retrait, on veut vivre autrement. Je sais pas exactement, c'est un peu difficile à expliquer. Alors, prochaine question. Quelle est pour toi ta priorité en termes de projet survivaliste en ce moment? Alors, très bonne question, parce que moi, mon projet, ça va être ça. Aujourd'hui, je vais amasser plein de connaissances, que ce soit en termes de techniques de survie, que ce soit en termes de permaculture, en termes de, par exemple, de plantes médicinales pour apprendre à ne plus forcément vivre aux dépens des médicaments. Il y a un mal de tête ou autre. Il y a beaucoup de plantes médicinales qui sont 100% naturel et on peut largement se contenter de ça. Donc, amasser un tas de connaissances, que ce soit dans divers métiers, dans diverses choses qui peuvent tout à fait nous servir, même en cas de pas, même en cas de pas forcément en cas de survie. Je prends un exemple. Pour être autonome dans la vie, il faut un savoir. Si vous avez une fois un panne d'électricité, vous avez des connaissances sur l'électricité, il y a de fortes chances que vous pouvez réparer vous-même la panne. Et donc déjà, ça c'est déjà être autonome. Vous n'êtes pas dépendant d'un gars qui vient chez vous, vous n'êtes pas obligé de téléphoner, vous n'êtes pas obligé d'attendre le gars la semaine prochaine. Le gars, vous n'avez pas besoin de le payer, vous aurez juste à payer. Les outils ou les matériels nécessaires pour réparer, mais vous êtes autonome. L'autonomie commence déjà aussi par là, avoir des connaissances dans divers métiers pour pouvoir faire, alors, il faut apprendre, mais si vous voulez faire une BAD, il va falloir forcément avoir une connaissance en électricité pour pouvoir installer vos panneaux solaires, récupérer l'eau. Bricoleur sur les bords, vous voulez construire, je sais pas moi, une cabane pour le bois ou quelque chose, donc il va falloir avoir certaines connaissances, différentes choses. Vous êtes la pharmacie, vous allez avoir votre plan médicinal pour pouvoir faire vos médicaments naturels vous-même. Donc déjà, donc moi, mon projet c'est d'amasser plein de connaissances dans diverses choses et variées. Pour pouvoir un jour avoir ma vie en autonomie, que ce soit peut-être dans 5-6 ans, à moins que ça mette avant et on rêve tous. Mais mon but à moi, c'est vraiment de sortir de la vie actuelle.
Mais tout en dehors, ouais, renfermé, parce qu'en appartement, c'est bien un moment, mais là, je m'ennuie. Dans ma vie, je m'ennuie, je sens que je ne suis pas à ma place, que ce soit dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle, je suis pas à ma place. Voilà, ma place, la nature, c'est les cheveux dans le vent et les pieds dans les bottes. Franchement, ça c'est mon projet. J'ai toujours eu un rêve de gosse, c'est de réussir dans la musique. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Mais aujourd'hui, il y a aussi cette partie de ma vie où j'ai envie d'être autonome, de pouvoir manger pas plus sain, parce que je suis pas forcément, mais manger différemment. Travailler le corps aussi dans le sens où on n'a pas forcément besoin de faire de régime. Vous allez travailler toute la journée dans votre bad, vous avez largement dépensé de calories, bon, vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de musculation. Voilà, vous faites du sport pour vous-même, vous perdez et en plus vous avancez dans le terrain. Bon, voilà, je pense que c'est la meilleure des choses. Mais mon projet, c'est ça, d'avoir une meilleure vie, une autonomie. Alors 100%, c'est pas forcément faisable. Hein. Vivre en autonomie, c'est un peu plus. Enfin, 100%, faut y aller. Voilà. Mais en gros, ouais, je veux vivre en autonomie dans ma prochaine vie. Ça fait à peu près 1 an ou 2 ans, je suis en perpétuelle réflexion sur ce que je veux, sur ce que vraiment je veux. Parce que. Claquer la porte et changer et tout changer dans sa vie, c'est un risque. Parfois en bombe. Mais je pense qu'il y a un moment je vais pas forcément claquer la porte, mais je pense qu'à un moment je vais dire merde, mais je vais vouloir changer vie radicalement. Ça c'est quand même. Ça je le sais. J'ai changé vie il y a 7 ans, 8 ans. Je suis parti du jour au lendemain, je pense que je pourrais le faire. Maintenant, c'est plus compliqué, j'ai un loyer à payer aussi, comme tout le monde. Et ça, c'est pas forcément facile à. Voilà, donc, je suis en réflexion depuis un petit moment pour essayer de le faire de la meilleure même manière. Mais pour l'instant, du coup, comme je suis bloqué, bah, j'apprends. J'apprends dans les livres, j'apprends à travers aussi les chaînes YouTube. Mais le mieux, c'est quand même toujours de lire et c'est plus important. Bon, voilà. Donc, certains se tournent vers l'autonomie en autoproduction, donc l'élevage pour lapin-verger, et d'autres visent vers le stockage des denrées non périssables ou non conservation. Quel est mon avis sur ça? Alors, moi, mon avis, c'est il faut faire les deux. Stocker la nourriture, bon, boîte de conserve et tout quoi, enfin les boîtes de conserve. Mais en plus, si vous avez un potager, faites le maximum de trucs, que ce soit même friture, stockage, enfin plein de choses, quoi, mais les tomates séchées par exemple, je crois que c'est faisable. Mais ne vous dites pas parce que vous avez un potager, vous n'avez pas besoin de faire vos stocks à côté. Si un jour, si une année, il n'y a pas beaucoup de récolte, ou vous avez pas réussi à avoir des tomates, ou des pommes de terre, ou je ne sais quoi, ce qui peut arriver, parce que bon, les saisons sont plus exactement égales par rapport au mois. Une année, au mois de mai, il fait 10 degrés, et l'autre année, il va faire 15, 35. Donc, la récolte, si on a une année, on a pas beaucoup de récolte. Si on a des réserves derrière, en stockage, une réserve, des années précédentes, c'est mieux. Moi, je suis pas forcément pour plus l'un et moi, pour moi, faire tout le stockage, que ce soit potager ou stockage, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Plus vous avez la nourriture, moins vous serez à rang sur ça. Bon, faites potager si possible. Si vous n'avez pas potager, bah, faites le nécessaire pour faire les réserves. Et si vous avez les deux, bah, faites les deux. Voilà. Et tout simplement, faites les deux parce que
Une année en récup, eh ben, ça va être la merde. Au moins, vous avez quelque chose pour vous rassurer derrière. Voilà. Ça, c'est, pour moi, il faut faire les deux. Alors, après, chacun son avis aussi hein, sur ça. Donc, voilà. Pour moi, faites les deux. Alors, est-ce que j'avais encore une question? Non, je crois avoir répondu à toutes les questions, il me semble. J'espère en avoir oublié aucune. Donc voilà, bah, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Moi, ça m'a fait très plaisir d'avoir des commentaires, questions pour faire une FAQ. Ça fait bizarre un petit peu de faire une FAQ, puisque j'en ai souvent regardé sur YouTube et aujourd'hui j'en fais une. Bon, comme quoi, ça arrive. Bon, voilà, moi je vous remercie d'être fidèle. Ça fait énormément plaisir. Bon, les prochaines vidéos bah, arrivent, hein, de toute façon, comme vous avez pu voir, la machine a relancé. Le guide prochain, le guide du survivalisme numéro 3 est en pleine écriture. Là, je suis à la recherche d'un endroit pour le faire, parce que ça ne va pas être évident de le faire n'importe où. Voilà, donc il y a plein de vidéos qui arrivent, des nouveaux formats aussi qui arrivent. Bon, voilà, ma chaîne va être bien, bien occupée là, ces prochains temps. Comme vous avez pu le voir aussi, là, ça fait un petit moment que la machine a relancé. Bon, en tout cas, je tiens à vous remercier pour vos questions, pour la fidélisation que vous avez sur la chaîne. Pardon, sur la chaîne. Ça me pousse toujours à faire plus. Je suis vraiment lancé dans le truc et vraiment, je suis content. Vraiment, je suis content. Vous allez aussi voir dans les prochaines vidéos certaines choses que j'ai changées dans mon quotidien. Et puis voilà, et puis, la série sur le salle d'évacuation arrive aussi, hein, il y a une préparation. C'est juste que je regarde pas mal de sites pour avoir des informations aussi à vous donner par rapport à ça, parce qu'il y a plein de choses à faire attention. Bon, faites gaffe. Mais ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo sur le salle d'évacuation. Ben voilà les amis, n'oubliez pas, pratiquez les choses, faites-vous l'expérience, ça d'évacuation, prendre un sac, mettre 4-5 bouteilles d'eau dedans et partir, faire 2-3 km et vous regarder un petit peu ce que vous pouvez faire un kilomètre jusqu'à être épuisé, entre guillemets. Oui, vous imaginez où il faut évacuer et qu'il faudra sur le moment, si vous aidez à faire ça l'évacuation. Mais ça, on en parlera, mais pratiquer les choses, c'est ce qu'il y a de mieux. Même essayer, vous avez le guide du survivalisme numéro 1, achetez-vous un fire steel et essayez de faire du feu. Essayez, hein, voilà. Le mieux, c'est d'avoir de l'expérience et pratiquer. Donc, voilà. Moi j'en ai fini pour cette vidéo. J'ai été très content de faire cette vidéo FAQ, comme je vous dis souvent. N'oubliez pas, soyez survivaliste dans la vie. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et merci. Ciao!